bienvenue pour un nouveau numéro de Portrait chinois. Alors aujourd'hui, on vous emmène découvrir un pays lointain. Enfin, plus qu'un pays, c'est un archipel puisqu'il est composé de près de 17 000 îles. Sur ces 17 000 îles vivent plus de 1000 ethnies, alors aussi beaucoup de langues différentes parlées, qui représentent plus de 250 millions d'habitants. Alors, ce n'est pas encore autant que la Chine, mais c'est quand même beaucoup. Et on va parler aujourd'hui de l'Indonésie. Alors, avec notre invitée, Nina Nafi. Bonjour, Nina. Bonjour, Manuel. Alors, Nina Nafi, vous êtes présidente de l'association, vous me dites si je dis des bêtises, l'association de la diaspora indonésienne en France. Tout à fait. Donc, vous représentez les Français d'origine indonésienne et les Indonésiens qui habitent en France également. Alors là, il n'y en a pas 250 millions, il y en a combien? Il y en a 3000. 3000, d'accord. Ouais. Donc, petite communauté en France, mais qui est assez bien organisée, ne serait-ce qu'à travers votre association d'ailleurs. Tout à fait. Nous avons donc cette association où les Indonésiens de France donc, sont représentés. C'est une association de loi de 1901, mais également les Amis de l'Indonésie. Oui, c'est une association qui est ouverte aux autres. C'est pas, il faut pas être indonésien ou d'origine indonésienne pour faire partie de l'association. Pas seulement, effectivement. On peut être, je ne sais pas comment on dirait, indonésianophile. Oui, ami de l'Indonésie. Oui, ami de l'Indonésie. Et du coup, ça permet de participer aux activités. L'ambassade est aussi pas mal impliquée dans l'animation de la communauté indonésienne. Nous faisons mieux connaître l'Indonésie en France, parce que malgré, comme vous le disiez, notre grande taille, nous sommes assez méconnus en France. Donc nous faisons des événements comme des événements culturels, bien sûr musique, folklorique, danse, et bien également des projections de films. Et de la gastronomie. Et de la gastronomie. Je le précise parce que vous êtes aussi restauratrice, vous avez le plus ancien restaurant indonésien de Paris, Jakarta Bali, depuis 1984, oui, tout qui à a fait. Été créé par votre papa, qui est un diplomate indonésien. Oui. Qui a d'ailleurs sillonné le monde. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas né en France, ni en Indonésie. Vous êtes né à Cuba. Oui. Donc ça, c'est très original, puisque votre père était ambassadeur d'Indonésie à La Havane à l'époque. Et donc, vous êtes d'origine indonésienne, né à La Havane, et puis aujourd'hui un peu parisienne aussi, quoi, hein, on peut le dire. Et donc, ce restaurant de Jakarta Bali, alors, vous proposez la cuisine d'une région en particulier ou bien un panel un peu large? Nous avons effectivement choisi de présenter des plats qui sont les plus connus, des plats iconiques, parce que c'est difficile de représenter tous les plats d'une gastronomie au sein d'un restaurant. Et aussi, donc, les plus connus, comme je disais, et issus de plusieurs îles. D'accord. Alors, il y a des plats qui ont des cousinages un peu avec la cuisine chinoise. Hein. Je pense notamment au saté ayam, qui sont les brochettes de poulet avec une sauce saté. Alors, oui. Le saté n'est peut-être pas fait, même certainement pas fait de la même façon qu'en Chine, mais il y a un petit peu des cousinages culturels et gastronomiques avec l'Indonésie. Bon, bien entendu, ouais. La Chine a influencé beaucoup notre gastronomie. Comme partout en Asie, nous avons du riz sauté, notre riz sauté à nous. Effectivement, ils ont chacun des spécificités, mais aussi tout ce qui est à base de soupe, de nouilles, de boulettes. Voilà, ce sont des choses qui reviennent, n'est-ce pas, dans les cuisines d'Asie. D'accord. Donc là, on va parler un petit peu de l'Indonésie et peut-être pour inciter les Chinois de France et même d'ailleurs à visiter l'Indonésie. Donc, on a quelques belles images qui passent derrière nous. Ça donne envie d'y aller. Hein. On a envie d'arrêter l'émission et puis d'aller prendre l'avion tout de suite. Je suis captivé par les images depuis que je suis arrivé. Et pourtant, vous connaissez déjà très bien l'Indonésie. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît l'Indonésie? Parce qu'avec les 17 000 îles, les 1000 ethnies, donc autant de cultures et pratiquement autant de langages d'ailleurs. Je crois qu'il y a 650 langages parlés en Indonésie. Plus de 700. Ouais, en fait, il faudrait plusieurs vies, Manuel, pour il faudrait plusieurs vies pour connaître l'Indonésie, même pour les Indonésiens. Oui, absolument. D'ailleurs, on en parlait en préparant l'émission. Aujourd'hui, on parle de 17 000 îles en Indonésie, mais il n'y a pas si longtemps que ça, les Atlas n'en donnaient que 16 000. Et puis, il y a 10, 15 ou 20 ans, on n'en donnait que 13 000. C'est-à-dire que les Indonésiens découvrent encore eux-mêmes des choses sur l'Indonésie. C'est-à-dire que maintenant, nous avons par satellite une notion un peu plus précise, donc plus de 17 000 îles, dont 3 000 inhabitées. C'est ce qui fait quand même un peu rêver des îles inhabitées de nos jours. Le mythe de l'île déserte, oui.
Et alors, de plus en plus de Chinois se rendent en Indonésie. C'est vrai que c'est un pays. Alors, l'Indonésie, c'est un pays qui est vraiment méconnu. Alors, en France, quand on parle d'ailleurs, on voit de très belles images là, des paysages bien verts. Hein, tous les Français connaissent Bali. Hein. Oui. Il y a eu quelques films aussi, d'ailleurs, comme le film avec Zoé Félix. Et Marc Lavoine. Et Marc Lavoine, dont j'ai oublié le nom, Toute la Toute beauté la du beauté monde, du voilà, monde. Toute la beauté du monde qui avait effectivement rendu encore plus populaire l'Indonésie. Mais c'est vrai que dans l'esprit des Européens, quand on parle d'Indonésie, on pense tout de suite à Bali. Alors, Même en disant que certains oublient que Bali est en Indonésie. oui, c'est ça. Les gens vont à Bali, ils disent pas je vais en Indonésie, oui. Et du coup, est-ce que c'est pas un petit peu triste pour les Indonésiens? Est-ce que ça leur rend pas un petit peu triste qu'on réduise l'Indonésie à Bali alors qu'il y a tellement de choses à voir? Absolument. Bali est un mythe, ce mythe de paradis perdu que les artistes depuis le 19e siècle visitent en sens, et que ce soit dans la littérature, dans la peinture, on parle de Bali. Maintenant, effectivement, l'Indonésie est à découvrir, Oui. mais cela dépend évidemment avec la distance, les heures d'avion, de combien de temps on dispose. D'accord, alors, en plus, un peu paradoxalement, je dirais, Bali d'ailleurs est peut-être la ville qui comporte pas le moins d'intérêt, mais avec l'emprise du tourisme, Bali est une ville qui s'est beaucoup modernisée, qui a beaucoup changé, et c'est peut-être plus la Bali d'autrefois qui faisait autant rêver, même si. Je peux le dire, ça reste toujours une destination exceptionnelle, hein, évidemment. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a quand même beaucoup d'endroits magnifiques à découvrir Tout à fait. en Indonésie et qui sont un petit peu hors des sentiers battus. Si on veut partir en Indonésie, bon, pas pour visiter toute l'Indonésie, hein, on l'a dit, c'est impossible, il faudrait plusieurs vies. Mais il faut partir combien de temps? C'est pas un endroit où on part une semaine. Il faudrait quand même au moins partir 10 jours, 10 à 15 jours. Oui, c'est le minimum, oui. Oui. Et alors, en Indonésie, on peut voyager facilement à l'intérieur, parce que ce sont des îles. Oui. Donc, on imagine qu'on ne se balade pas en train ni en voiture. Il y a des moments où il faut changer d'île. C'est bien desservi au niveau des avions, des Oui, tout aéroports. à Et est-ce que fait. les billets d'avion sont assez accessibles au Alors, niveau depuis tarifaire? la France, ça dépend des saisons, mais on peut trouver des billets à partir de 500, 550. Je D'accord. pense qu'il y a de très bons tour opérateurs qui font aussi des packages pour 10 jours à 2 semaines de séjour. Alors, il y a beaucoup d'habitants, hein. Bon, c'est un peu le Airbnb local, il y a beaucoup d'habitants qui proposent de se loger chez eux. Vous conseillez justement des packages qui incluent le logement ou est-ce que c'est sympa, c'est bien d'aller chez l'habitant, parce que le peuple indonésien est très, très accueillant. Est-ce que c'est un bon plan que d'aller chez l'habitant en Indonésie? Oui, ça peut l'être. Maintenant, il y a des losmen, des maisons d'hôtes aussi, c'est certainement ce à quoi vous faites référence. Oui. Les maisons d'hôtes qui sont très jolies, d'un très bon niveau, très propres, ça aussi. Mais je pense que même si Airbnb existe, certains, vous pourrez les trouver sur place. Bon, maintenant, c'est toujours bien de se préparer un petit peu à l'avance, Oui. À moins mais. d'être un vrai routard et de partir avec juste le sac à dos et le billet d'avion. Tout Hein. à fait, mais ici on a une bonne connaissance en revanche du réseau hôtelier en Indonésie. On peut trouver du plus simple à un luxe extravagant. Ça aussi, c'est Oui, possible. il y en a pour tous les budgets aussi et Absolument. pour tous les goûts. Bah, c'est aussi la chance qu'on a avec cette diversité qu'offre l'Indonésie. Alors, c'est aussi une diversité de paysages, hein, on le voit sur les images. Alors, volontairement, on ne vous a pas mis trop d'images de villes, même s'il y a quelques grandes villes. Hein. Bon, il y a Jakarta, on l'a cité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a d'autres villes un petit peu modernes Les grandes villes de l'Indonésie, c'est Jakarta, Surabaya, Medan. Alors, qui sont là des villes inconnues. Donc idem, hein, d'ailleurs vous avez bien fait d'appeler votre restaurant Jakarta Bali, parce que du coup c'est peut-être les deux villes les plus connues. Oui, parce Parce que que. même Bornéo n'est pas. Enfin, tout le monde connaît le nom Bornéo, mais peu de gens savent que c'est en Indonésie d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Hein, alors que c'était un grand comptoir d'épices avec beaucoup d'influences de divers pays. En fait, Jakarta-Bali, pourquoi? Parce qu'en fait, le parcours que l'on faisait depuis Paris, c'était toujours Paris-Jakarta-Bali. Ah oui, Jakarta Voilà. pour l'escale, pour Oui. l'aéroport, et après, c'est la correspondance en Tout à fait. fait.
D'accord, donc c'était un petit peu un clin d'œil nostalgique à l'Indonésie Et que. en fait, c'est un peu comme toujours une invitation au voyage. D'accord. Alors, les Indonésiens, moi, tous les Indonésiens que j'ai pu rencontrer, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont assez calmes, assez paisibles. C'est reposant de parler avec un Indonésien ou une Indonésienne, non, c'est vrai. Est-ce que c'est commun au peuple indonésien tout entier? Est-ce qu'il y a un certain laconisme, pas au sens négatif du terme, mais un certain calme et une certaine détente partout, ou est-ce que ça diffère selon les villes Alors, je dirais qu'en général, oui. Et effectivement, après, au niveau indonésien, il y a des différences, bien entendu, des îles, de la culture. Parce que autant Bali est hindouiste, Java sera musulmane. Voilà, il y a évidemment des protestants un petit peu partout sur l'archipel. Mais après, c'est des tempéraments. Les Sumatranais vont être beaucoup plus virulents, bon, ils vont parler beaucoup plus. Les Javanais un peu plus secrets, un Oui, sur petit peu plus dans les la deux grandes îles de nuance. l'Indonésie, hein, c'est Java et Sumatra, qui sont à la fois des villes et des îles. En fait, Bornéo aussi, Oui. c'est très grand. Nous détenons la plus grande partie que nous partageons aussi avec la Malaisie et le Brunei. D'accord, ça a été longtemps le plus grand port d'ailleurs d'Indonésie, Bornéo. C'était là où tout se passait au niveau commercial, Oui, c'est ça? parce que les épices, en fait, c'était sur les îles de la Sonde. Donc, quand on venait chercher les épices au XVIe siècle, c'était Ambon, Florès, par là, les îles de la Sonde. Très bien. Alors, est-ce que justement, ça donne des spécificités à Bornéo, des choses particulières à visiter? Est-ce qu'il y a un passé, un héritage colonial important à Bornéo? Toujours un héritage colonial. Un petit peu partout, il y a des forts qu'ont laissés les Hollandais. Oui, parce qu'il y a une présence hollandaise, c'est peut-être la présence étrangère la plus longue qu'il y a La eu plus en. longue, Ouais. tout à fait, 350 ans. Et les Portugais sont venus pas Bah, longtemps. Bornéo, oui, c'était un comptoir portugais d'ailleurs à la base, oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu une présence japonaise également. Voilà, mais sinon, pour visiter l'Indonésie, on va dire pour un premier voyage, ce serait bien d'atterrir à Jakarta pour voir une mégalopole, quand Ouais, même. De quoi. c'est le ticket d'entrée pour l'Indonésie, on va dire. C'est très vibrant, c'est très vivant. Bon, ça ressemble par moments à d'autres villes. Combien d'habitants à Jakarta à peu près, vous le savez, Là, non? c'est une colle pour moi, Non, combien non, mais de. je ne voulais pas vous poser de colle, mais c'est quand même. Bon, on imagine que si c'est une très grande ville pour un pays qui a 250 millions d'habitants, il doit y avoir quand même une population très, très importante. Donc c'est une fourmilière, Jakarta, c'est. Et puis un choc de. Vous avez une vieille ville, vous avez une ville moderne, modernissime, une circulation, vraiment. Donc, c'est vraiment un choc des cultures aussi, de la tradition au Oui, modernisme. Jakarta, on va passer du quartier où il y a un temple, des petites maisons autour, à un quartier d'affaires où il y a des buildings partout, Tout à fait. des gratte-ciel. Donc là, c'est un peu le chaud et le froid, le yin et le yang, comme on pourrait dire en Chine. Et du coup, donc pour vous, c'est le point d'entrée un petit peu Oui, obligatoire pas forcément obligatoire, pour on rentrer peut, en Indonésie, du moins. mais ça peut être, si on dispose d'un peu de temps, par exemple, le sujet ce serait de prendre le train jusqu'à Yogyakarta, par D'accord. exemple, parce que. Alors, il y a beaucoup de choses à visiter, notamment il y a beaucoup de temples. Oui. Alors, ce sont des temples bouddhistes ou ce sont des temples autres? Parce que c'est vrai qu'il y a une au niveau architectural, il y a une grosse influence bouddhiste, on le voit, Oui. alors que pourtant la première religion en Indonésie, c'est l'islam. Oui. Est-ce qu'il y a un mix de culture, de religion, d'architecture qui fait de l'Indonésie un endroit un peu à part. Eh bien, effectivement, nous sommes passés de l'animisme. Nous avons bien sûr eu l'hindouisme et le bouddhisme pour arriver avec ce que les marchands nous ont apporté, l'islam, qui s'est propagé, n'est-ce pas? Et le grand temple bouddhiste, c'est Borobudur, sur l'île de D'accord, Java. très Sur bien. l'île de Java, nous avons aussi des temples hindouistes. Tout sera un petit peu autour des deux villes royales, que sont Yogyakarta et Solo. D'accord.
Voilà. Il y a des temples qui ressemblent aussi parfois un peu à des temples khmers presque. On a l'impression qu'en fait, il y a tellement d'ethnies en Indonésie. Alors déjà, est-ce que ce sont des ethnies indigènes ou est-ce qu'il y a des ethnies qui ont été importées d'autres endroits parce que c'est vrai qu'on sent un métissage culturel qui ont formé une culture propre à l'Indonésie, mais on sent quand même que derrière tout ça, il y a un métissage culturel bouillonnant un peu quand même. Métissage, certainement, Manuel, parce que nous avons été au carrefour de commerce, bien évidemment avec les comptoirs néerlandais, hollandais, mais effectivement, nous étions aussi sur la route de la soie, donc commerce avec la Chine, commerce, nous étions sur la route que prenaient les marchands du Moyen-Orient et d'Inde. Donc, toutes ces influences mixées, nous avons un brassage très riche en Indonésie. Et nous avons des gens qui ont une peau très claire à une peau très foncée, bien Oui, c'est vrai que entendu. selon les Indonésiens, effectivement, il y en a qui ressemblent plus à des Malaisiens, par exemple, et puis Oui. d'autres qui ont une couleur de peau très, très différente. Et Alors, on a la Papouasie aussi. oui, la Voilà. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors, ce métissage, on le ressent aussi dans la cuisine. Hein, puisque comme vous êtes restauratrice, on peut vous poser des questions là-dessus aussi. Vous connaissez très bien, il y a une cuisine très riche, très grande, un peu comme en Chine, effectivement, où là, il y a une variété culinaire, et où comme en France, où il y a une variété culinaire très, très importante. Alors déjà, les Chinois de France ou les touristes chinois de Chine qui viendront en Indonésie, est-ce qu'ils vont se sentir raisonnablement dépaysés? Parce que c'est vrai que, est-ce qu'ils n'auront pas un choc culturel au niveau de la gastronomie? Et puis quelles sont un peu les grandes lignes de la gastronomie indonésienne? Alors, la gastronomie indonésienne, ça c'est un vaste sujet. Oui, j'imagine. C'est un vaste sujet, mais effectivement, non, ils ne seront pas totalement déboussolés face à la cuisine indonésienne. Parce qu'il y a un fil conducteur évidemment qui sera le riz, les pâtes. Après, il y a les cuissons, peut-être qu'on va employer un petit peu plus de lait de coco, par exemple. D'accord, oui, donc là, plus Asie du Sud-Est que Chine, Voilà. oui. Plus nous aurons de la cacahuète, nous aurons voilà, des choses comme Oui, de la ça. cacahuète, là, qui va être souvent mixée, cuisinée, alors qu'en Chine, elle est plutôt souvent laissée entière, Oui. arrachée d'entière, oui. Nous Donc, avons aussi des salades où elles sont laissées un petit peu oui, entières, on à la parlait limite concassées. du gado-gado, c'est ça? Non? Asinan. Ah, c'est, ah Asinan, d'accord, oui, c'est pas la même. Asinan. J'avais pas misé sur la bonne salade. D'accord, comme quoi effectivement c'est dur de connaître la cuisine indonésienne parce qu'elle est très, très, très vaste, très variée. Alors en parlant de variété justement, bon, il y a beaucoup d'îles et paradoxalement, ce qu'on mange le plus en Indonésie, ce n'est pas forcément du poisson. Alors expliquez-nous ça. Alors, effectivement, vous avez raison. Il y a un rapport au poisson qui n'est pas logique pour un pays qui est un archipel. Ceci dit, on consomme du poisson d'eau douce. Ah, en plus, même Oui, pas celui de la mer, alors que du pourtant, poisson d'eau douce. Il faut vraiment être près du littoral, là, pour avoir une. Sinon, effectivement, plus volontiers, dans la cuisine indonésienne, nous consommons du poulet, du bœuf, bien sûr, les tofu, les pâtés de soja et le tempeh, en Alors le protéines. tempeh, expliquez-nous, c'est une Tempeh, variété de tofu, c'est ça? en fait, ce sont des grains de soja Oui. qui sont fermentés et qui sont en forme ils sont fermentés en forme de pâté. D'accord, oui. Voilà, ça peut être consommé soit frit, ça peut être consommé soit dans une espèce de cuisson spéciale, c'est-à-dire bouilli dans du lait de coco. D'accord. Voilà. Alors, Puis ensuite frit. oui. Alors frit. Donc frit. Alors, il y a de la friture dans la cuisine indonésienne, mais globalement, c'est une cuisine qui est quand même très saine. Oui, très saine, Manuel, parce que aussi, comme souvent en Asie, on se nourrit en ayant conscience de la santé, donc en ayant conscience des produits. Donc c'est une automédication par la nourriture, à vrai dire. Oui, on parle beaucoup de c'est un terme à la mode, hein, les alicaments, c'est-à-dire les aliments qui sont bons à la fois, qui sont bons à la fois au goût et pour le corps. Et c'est vrai qu'il y a une culture vraiment
des aliments qui ont des bienfaits pour la santé en Indonésie, comme en Chine d'ailleurs, Oui. Où la cuisine, en Chine, la cuisine, elle est influencée et par les propriétés médicales des aliments, mais aussi par leur symbolique. Tout Alors à fait. qu'en Indonésie, oui, là, c'est l'aliment santé. C'est-à-dire que les Indonésiens sont des gens plutôt en bonne santé en général. Enfin, de toute façon, avec les paysages qu'on voit, il fait plutôt bon vivre là-bas. Ça, c'est sûr. Il y a d'ailleurs un espèce d'adage indonésien qui dit mieux vaut une pluie de pierre chez soi qu'une pluie d'or ailleurs. D'accord, oui. Donc c'est un joli, effectivement, un joli dicton. Est-ce que les Indonésiens sont des gens, bon, parce que j'ai dit ceux que j'avais pu rencontrer, mais moi en France, étaient des gens assez calmes, assez doux. Est-ce que les Indonésiens sont des gens très accueillants? C'est-à-dire, est-ce que Très c'est dans la accueillant. culture de vouloir faire partager la culture de son pays, justement? Est-ce que c'est dans les gènes? L'hospitalité, c'est un des traits majeurs. D'ailleurs, comme j'ai un restaurant, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent nous voir en rentrant d'Indonésie. Et là, ils parlent toujours de l'accueil, de l'hospitalité, de la gentillesse des gens. Oui, alors c'est-à-dire que ça c'est amusant parce que du coup, il y a des gens qui ne se sont jamais intéressés à la cuisine indonésienne à Paris, et puis ils partent en Indonésie et à leur retour, bah, du coup ça devient parfois des habitués de votre restaurant ou peut-être d'autres restaurants indonésiens qui existent à Paris, mais vous êtes le plus ancien. Et puis vous avez beaucoup d'Indonésiens qui viennent chez vous, des gens de la diaspora, puis on peut peut-être citer des gens un petit peu connus, des Indonésiens un peu connus comme Anggun, par exemple, la chanteuse Anggun qui vient souvent chez vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens un peu connus, enfin un peu ou même beaucoup connus qui sont venus ou qui viennent encore chez vous. J'ai noté Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve, Grace Jones, Dita Von Teese, Jean-Charles de Castelbajac, qui avait une boutique pas loin. Oui, tout à fait. Juste en face, Tim Burton, Chantal Thomas, Albert Elbaz, Bertrand Tavernier, Eddy Mitchell, Bruno Solo, Carl Zero, la chanteuse Anggun, je l'ai dit. Malgré tout, ce n'est pas un restaurant chic, c'est ouvert à tous. Ce n'est pas Bien sûr. un restaurant, il n'y a pas de clivage. Hein. Non, pas du tout. C'est très ouvert. D'ailleurs, maintenant, on a deux parties. On a une partie un peu plus... Un peu plus salon, un peu Un plus. Ouais. salon et une autre un peu plus, comment dire, relax, un peu. C'est le concept de warung. Warung en indonésien, ça veut dire échoppe. D'accord. Échoppe, donc, c'est quelque chose. Donc, nous avons essayé de faire, justement, parce que nous voulons présenter l'Indonésie au plus grand nombre, justement, deux parties avec deux personnalités bien distinctes, une un peu plus cosy, solennelle, et l'autre tout aussi cosy, mais moins informelle. D'accord. Très bien. Alors, bon, on voit ces belles images sur nos écrans. On a vu des images d'orang-outan tout à l'heure. Il y a une. Alors, Au moment où je le dis, d'ailleurs, on en voit. orang-outan, Manuel, juste je vous interromps. En fait, c'est de l'indonésien, issu du malais. Ah, alors ça veut dire quelque chose, Ça veut donc. dire l'homme des bois. Ah, d'accord. Oui. Donc, oui, il était considéré comme un congénère, peut-être, au départ, hein, du coup. Et alors, c'est vrai que l'Indonésie a fait il y a une grande politique de reforestation, puisque la forêt, c'est l'habitat des orang-outans, et du coup, les orang-outans disparaissaient parce que leur forêt disparaissait. C'est quoi? C'est pour le commerce de l'huile de palme, c'est ça, j'imagine? Oui, Voilà. Et donc là, il y a mais une grosse là, politique de reforestation, tout à fait. aussi bien des ONG étrangères que le gouvernement Oui. lui-même. C'est dans un but écologique, j'imagine, mais aussi touristique, peut-être, ça, de... Eh bien, maintenant, il y a une conscience de l'écologie Bah, mondial et même, hein. absolument. Il n'y a pas qu'en Indonésie, j'ai envie de dire. Oui. Heureusement. Et évidemment, on prend soin maintenant des mangroves, du corail. Oui, parce que y a des spots de plongée. Bah, à chaque fois que je prononce un mot, on le voit à l'écran. On vient de voir les coraux. Il y a des spots de plongée. Il y a des plongeurs qui viennent du monde Magnifique. entier pour découvrir les fonds. Il y a des fonds marins magnifiques. Déjà à Bali autour, vous avez déjà, c'est magnifique déjà. Et plus vous allez vers l'est, vers la Papouasie, les fonds sont un des plus beaux du monde. Ça, ce sont des plongeurs
professionnels qui en attestent. D'accord. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie effectivement dans la Bible du plongeur, ça fait partie, l'Indonésie fait partie des endroits où il faut aller. Il y a aussi quelques spots en Égypte, vers Hurghada. Enfin voilà, ça fait partie des petits papiers des pros de la plongée, hein. Bon, maintenant, la plongée c'est bien, mais bon, si on ne fait pas de plongée, qu'est-ce qu'on veut si on aime la plage mais qu'on ne fait pas de plongée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sports nautiques, Oui, les sports quelles sont les nautiques, bien sûr. activités sportives, culturelles? Vous Décrivez-nous avez un peu les occupations qu'on peut avoir pendant un séjour en Indonésie. en Indonésie, vous pouvez faire du rafting, des D'accord. descentes de rapides. Vous avez tous les sports aquatiques, que ce soit du ski nautique et du delta. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr, il y a les ascensions des volcans. Oui. Voilà. Oui, c'est une terre très volcanique. Ce Oui. sont des îles très volcaniques. En fait, s'il y a autant d'îles, c'est parce qu'il y avait effectivement beaucoup de. C'est pour ça d'ailleurs, malheureusement, qu'il y a des tsunamis. Hein, beaucoup de tsunamis dans la région. C'est le fait que l'Indonésie se trouve à un endroit qui bouge beaucoup au niveau des plaques Tout à fait. tectoniques, d'où le grand nombre d'îles, parce qu'en fait, ce sont autant de petits volcans, j'imagine, hein, éteints pour la Nous plupart. avons des volcans En en activité toujours. activité, Oui, oui. est-ce qu'il y en a des connus? Oui, le mont Agung, le Krakatao, Ah qui a oui, le fait, Krakatoa, oui, voilà, qui a oui. fait des siennes et parlait de lui il y a peu. D'accord. Donc une terre très, très volcanique. Alors, un rapport Très entre, fertile. oui, très fertile aussi, puisque en général, les terres volcaniques sont très fertiles, notamment, on le voit par exemple en Italie, hein, la vigne pousse très bien sur les terres volcaniques et ça fait des très bons vins. Alors, je ne sais pas si le vin existe en Indonésie, mais c'est vrai que ça fait, en tous les cas, ça fait des terres très, très fertiles. Et un autre rapport entre les terres volcaniques et la cuisine, c'est que l'outil numéro un de la ménagère indonésienne, c'est son pilon en terre volcanique, Tout à fait. en pierre volcanique. Alors pourquoi ce pilon et pourquoi est-ce que c'est l'outil numéro un? Quelle est la base de la cuisine indonésienne? Alors, ce pilon, la ménagère s'en sert tous les jours, quotidiennement, pour faire sa pâte d'épices. Alors, elle va au marché, elle fait ses achats et elle prépare sa pâte d'épices qui va servir à cuisiner. Donc, elle se garde hein, donc pendant quelques jours. D'accord. C'est un peu la base de toute la cuisine indonésienne, c'est la pâte, enfin, ou plutôt les pâtes d'épices, parce qu'il y en a plusieurs genres. Oui. Alors, en préparant l'émission, vous m'aviez dit qu'il y avait en fait deux pâtes d'épices, la blanche et la rouge, qui étaient en fait deux familles de pâtes d'épices, hein. Tout à Et à fait. partir de là, il y avait des centaines, voire des milliers de déclinaisons Qu'on peut décliner effectivement possibles. en rajoutant d'autres épices. Est-ce que ces pâtes d'épices, c'est une fois qu'on a évidemment rajouté un liquide et qu'on a fait mijoter, est-ce que c'est ce que les touristes ou les Français appellent à tort des currys indonésiens? Oui, parfois on appelle ça un curry. Donc c'est un petit peu erroné en fait hein, de dire déjà il n'y a pas de curry. Mais oui. Dans cet ensemble. Mais bon, un plat en sauce, là souvent les gens appellent ça un curry. Un curry, d'accord. Bon, et qui dit épice, dit pas forcément pimenté, Non, hein, pas forcément piment. puisqu'il y a beaucoup d'épices douces. Alors, il y a une particularité de la cuisine indonésienne, c'est que contrairement à beaucoup d'autres pays, les épices, elles ne sont pas en poudre, elles ne sont pas séchées. On utilise les racines fraîches, comme le Oui. curcuma, le gingembre. Ça, c'est un point commun avec la cuisine chinoise aussi, où on utilise beaucoup de gingembre frais plutôt qu'en poudre. Est-ce qu'on utilise quand même certaines poudres d'épices en Indonésie, ou c'est vraiment pas du tout dans la culture, dans les habitudes et dans les goûts? Non, à part le poivre en Oui. poudre, on les utilise plus volontiers fraîches. Est-ce que ça contribue justement à faire de la cuisine indonésienne une cuisine saine, légère, En parce tout qu'elle cas, est, elle est, riche elle est de très. saveurs. En tout cas, riche Oui. de saveurs. Oui, elle est riche de saveur. Bizarrement, c'est vrai que souvent, on se dit que pour faire une cuisine très riche, très goûteuse, bah, faut rajouter pas mal de choses. On dit, bon, le gras, c'est le goût. Alors, il faut mettre toujours un peu plus de beurre ou un peu d'huile d'olive, parce qu'on dit que le gras conduit le goût. Mais la cuisine indonésienne, c'est une cuisine qui a la particularité d'être à la fois
très goûteuse et très légère, très digeste, très saine. Oui. À votre avis, quel est le secret de ça Le secret est dans la pâte d'épices. Parce c'est vraiment c'est même pas la base, c'est le pilier de la cuisine indonésienne. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a des vins complexes, c'est une cuisine complexe. Mmh. Il y a beaucoup d'épices, mais au final, quand l'ensemble fait quelque chose de très harmonieux, voilà, donc d'harmonieux et de léger. Donc, c'est dans la subtilité. Effectivement, par exemple, il y a des pays qui ont des cuisines de produits, où le produit est mis en avant. En Indonésie, bien entendu que le produit est important, mais c'est-à-dire que le plus important, c'est l'épice, le blend des épices, en fait, et qui va donner le goût à ce plat. D'accord. Alors, vous venez de parler de blend, vous avez utilisé un mot anglais. Alors, pour les touristes qui vont en Indonésie, est-ce qu'on arrive à se faire comprendre facilement quelles sont les langues qui sont parlées un petit peu partout? Est-ce que l'anglais, notamment, hein, qui est encore un peu la langue, je ne sais pas si c'est encore pour longtemps, mais l'anglais est toujours pour le moment une langue qui permet de se faire comprendre à peu près dans le monde entier. Oui. Quelles sont les langues qu'on parle assez volontiers en Indonésie? Alors, effectivement, nous avons notre espéranto qui fait le lien entre toutes ces îles, toutes ces ethnies et tous ces dialectes. Oui, parce qu'il faut se comprendre entre voilà. Indonésiens déjà. C'est un peu votre mandarin à vous, c'est oui, ça? Oui, c'est notre espéranto à nous. Mm-hmm. Voilà, donc effectivement, il y a le Bahasa indonésien qui est notre langue, mais de toute façon, l'anglais est l'anglais, beaucoup c'est ce qui est le plus usité, oui. Oui, d'accord. Tout à fait. Mais si vous allez vraiment dans des destinations touristiques, vous trouverez très facilement des guides qui parleront mandarin, qui parleront japonais, français. Ça, c'est très facile. D'accord. Alors, justement, on parlait d'influence, là, on parlait des langues, au niveau des influences coloniales. Il y a des endroits en Indonésie où on parle encore le néerlandais ou bien le portugais parce que j'ai l'impression qu'en fait, l'influence coloniale, elle est partie peut-être aussi vite qu'elle est revenue et que l'Indonésie a repris ses droits, j'ai l'impression, non? C'est très juste. Ouais. C'est très juste. Le néerlandais était encore parlé par les personnes âgées. Bon, il doit y avoir encore des personnes, mais donc il y a de la qui ont de vagues souvenirs. Oui. Qui ont 70 ans à peu près, qui ont encore des notions, parce que peut-être qu'ils ont eu une éducation en néerlandais. D'ailleurs, les Néerlandais voyagent beaucoup en Indonésie aujourd'hui. Est-ce que c'est une destination? Oui, il y en a encore beaucoup, oui. Parce que je vous avouerai que moi, la gastronomie indonésienne, je ne l'ai pas découverte à Paris, paradoxalement. Vous l'avez je l'ai connue à Amsterdam. Absolument. Et je dois avouer que pour l'avoir goûté chez vous dans votre restaurant, puis dans des événements justement organisés soit par votre association, soit par l'ambassade, je la trouve quand même beaucoup plus authentique chez nous à Paris qu'à Amsterdam. Alors est-ce que justement la Hollande, les Pays-Bas n'ont pas trop édulcoré la cuisine indonésienne à leur sauce? Alors en fait ça dépend. Il y a effectivement énormément de restaurants indonésiens à Amsterdam, aux Pays-Bas en général. C'est comme ça qu'en général, les Français connaissaient la cuisine. Ouais. Quand nous avons ouvert en 1984, effectivement, j'étais à Amsterdam, j'ai goûté. La démocratisation des voyages aidant, de plus en plus de personnes voyagent et connaissent la cuisine indonésienne sur place. Ouais. Ça, c'est un bon point. Autant aller manger son rendang localement plutôt qu'en Hollande, effectivement. Ça, c'est le bon point. Aux Pays-Bas, il y a maintenant de moins en moins de restaurants indonésiens. Alors que pourtant, il y a encore une diaspora indonésienne importante. Oui, tout à fait. Mais peut-être que les enfants ne veulent plus ce métier. Qui s'est trop européanisé à outrance. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être maintenant la culture des Pays-Bas en premier et des restes de culture indonésienne. Et il y a aussi le fait que la cuisine indonésienne est devenue comme une seconde cuisine, c'est une seconde nature aux Pays-Bas. Donc il y a quand même des restaurants indonésiens, certains très authentiques, mais les autres adoptent volontiers sur leur façade le nom d'indonésien alors que c'est un petit peu
mixé déjà avec d'autres cuisines. D'accord. Bon, alors je parle beaucoup de cuisine et je vais sûrement en reparler encore parce que je suis gourmand, vous le savez. Mais reparlons un petit peu d'une manière plus générale au niveau touristique. Alors, il y a un autre emblème de l'Indonésie. Alors, les gens qui sont à la pointe de la mode connaissent peut-être, c'est le batik. Oui. Alors, qu'est-ce que le batik? Expliquez-nous. Alors le batik, déjà, c'est bien que je vous remercie de citer le batik. Effectivement, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le batik. D'accord. Donc, c'est une technique Oui, bon, de teinture, en fait, d'accord. le Les gens pensent batik. que c'est un tissu, en fait, Oui. pas du tout. C'est la façon de fabriquer le tissu, le batik. Oui. Tout à fait. Donc, à base de cire. D'accord. Donc, tout ça est fait à la main, bien entendu. C'est-à-dire qu'on y va progressivement et par étapes. C'est-à-dire que il va y avoir un grand morceau de tissu et on va appliquer la cire avec des petits ustensiles en bambou et en... Qu'est-ce que c'est que ce métal rouge là, le Le nom cuivre, m'échappe. Le peut-être, oui. cuivre, tout à fait. Le cuivre et en bambou et où on va mettre de la cire chaude. Et c'est là où on va dessiner les motifs déjà. Donc, en fait, le tissu est pratiquement tatoué, quoi. Il est. Oui, c'est ça, Ouais. il est tatoué. Ouais. Au fur et à mesure, on va enlever la cire une fois qu'elle aura séché. Et le pigment, la couleur va rester. Oui, mais progressivement, on applique donc la cire et on adapte les teintures. Donc, par exemple, à l'époque, les batiks qui avaient beaucoup de blanc, c'était les batiks les plus chers, puisque ça nécessitait le plus de cire. D'accord, oui, Voilà. effectivement. Tout ça était fait à la main, batik. Il y a des procédés industriels aujourd'hui, Maintenant, peut-être, oui. oui. Avant le procédé industriel, on a eu des tampons pour D'accord, oui. gagner un peu de temps et faire des... Oui, Donc, des d'ailleurs, il y a tampons. des tissus dont j'ai oublié le nom, mais des tissus africains Oui. qui ressemblent beaucoup au batik, qui sont inspirés du Tout à batik fait. et qui, eux, sont fabriqués exclusivement à base de ces fameux tampons. Voilà. Et ça s'appelle le wax Le wax, voilà, je de cherchais la cire, la cire en comme... anglais. Voilà, et ça, effectivement, ce sont les Néerlandais. Et le président Sukarno d'Indonésie, aussi notre premier président, a donné, en signe d'amitié à des pays africains, des tampons aussi. D'accord, qui leur ont servi à imprimer leur premier wax, donc qui ne sont pas Wax, des tout à batiks. fait. Et le Alors, wax, d'ailleurs, est très à la mode. oui, Mais très souvent, je il y a même des vois. grands créateurs hein, Oui. qui reprennent des motifs de batiks Tout pour à faire fait. des robes de soirée, des choses comme Notamment Dries ça. Van Noten qui utilise beaucoup d'inspiration Oui, indonésienne, hollandais. Donc double belge, culture, oui. belge Ah, belge, oui, d'origine belge flamande. d'origine flamande, oui. Voilà. Mais effectivement, très souvent, nous avons des motifs issus de notre culture qui sont utilisés, mais les gens ne savent pas que c'est, par exemple, un paisley, le cachemire. On sait que D'accord, c'est un oui. motif de l'Inde. Eh ben, vous me Voilà. l'apprenez. Je voyais Et ça, je voyais ça, je voyais ça effectivement partir d'Inde et peut-être arriver en Indonésie après, mais je ne oui. savais pas que c'était effectivement un Mais motif spécifiquement indonésien, oui. ah non, c'est pas Ah, indonésien. pardon, ça vient C'est pas d'Inde après, indonésien. d'accord. Donc Je vous avez bien disais compris, oui. simplement que le motif de paisley donc était d'Inde. On D'accord. reconnaît Oui, cela. d'accord, ok. Voilà. Et d'autres motifs d'Indonésie sont, on les voit souvent, mais ils sont pas Mais connus en ils ne tant sont pas qu'indonésiens. codifiés, oui, pas Voilà, tout encore à fait. codifiés. Ça va peut-être venir, puisque effectivement, on le disait, le tourisme en Indonésie, c'est d'ailleurs, je pense, une grosse partie du PIB indonésien, le tourisme, et certainement pour des bonnes raisons. Et puis, de plus en plus de Chinois de Chine vont en Indonésie, mais également des Chinois de France, puisque c'est une des destinations préférées des Français, hein, quel qu'il soit C'est vrai. l'Indonésie. Alors, j'en reviens quand même à la cuisine, puisqu'on parle de classement et de préférence. Il y a un classement qui est fait tous les ans suite à un sondage auprès des lecteurs de CNN Travel. Et chaque année, le meilleur plat du monde, selon les lecteurs de CNN Travel, c'est un plat indonésien qui s'appelle le rendang. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rendang? Alors, c'est une fabuleuse recette. Ah, bah, j'imagine, si elle est élue plusieurs années de suite comme ça, meilleure recette au monde. Alors, c'est un plat de bœuf à l'origine, originaire de Sumatra, donc qui est
marinée avec des épices, mais surtout cuite, mijotée pendant plus de 5 heures. D'accord, donc c'est vraiment braisé, enfin bon, comme on dit, pas braisé au sens de cuit à la braise, mais braisé dans le sens français du terme, c'est-à-dire mijoté longuement à petit feu. Tout à fait. Et donc c'est le mélange des épices et le lait de coco et le suc de la viande qui donne cette délicatesse. Donc c'est une viande qui doit être extrêmement tendre, qui doit se déliter toute seule, qui doit fondre, c'est ça? En fait, en Indonésie elle-même, elle est cuite tellement longtemps. C'est un plat qui se garde très facilement, vous savez, quand, quand on cuit de cette façon. Cuit longtemps, oui. On peut le garder longtemps. D'ailleurs, quand les Indonésiens voyagent et qu'ils sont obligés de prendre quelque chose, ils prennent du rendang. Ils font du rendang, d'accord. Voilà. Et donc, chez nous, au restaurant, aussi, on le fait fondant, effectivement. Mais en Indonésie, on le trouvera quelque peu un peu plus dur que cela. D'accord. Bon, ah oui, peut-être aussi parce que on consomme la viande un peu plus fraîche, parce que contrairement à ce que croient les gens, plus la viande est fraîche, plus elle est dure. C'est pas le contraire. Hein. Oui. Donc quand la viande est très fraîche, donc elle est moins tendre. Et c'est effectivement la conservation, la maturation qui permet donc peut-être que pour des raisons, effectivement, comme il fait quand même assez chaud en Indonésie. D'ailleurs, oui, parlons du climat. C'est parce qu'il y a, j'imagine, il y a pas un climat, il y a des climats en Indonésie. Il y a des climats, mais nous avons deux saisons. Une saison sèche et une saison des pluies. D'accord. Une espèce de mousson, un peu, comme on dit en Asie du Sud-Est. C'est pas la même climatologie, par exemple, qu'en Thaïlande. Les mois de pluie chez nous, ça va être les mois en R, comme les huîtres en France. D'accord, très bien. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Même en partant de pluie, en saison de pluie, on peut partir parce que de toute façon, les pluies sont déjà un spectacle. Ouais. Un spectacle. C'est une grosse pluie chaude et spectaculaire. Si vous êtes dans la nature, d'autant plus. Oui, ça, c'est les pluies en t-shirt en dessous, quoi, en gros, hein, c'est ça. Est-ce qu'il y a des périodes quand même un peu froides ou des endroits un peu froids en Indonésie, ou est-ce que globalement, sur toute l'Indonésie, on peut dire que pluie ou pas pluie, il fait toujours à peu près bon? Non, il fait bon, sauf que si vous allez, par exemple, un peu dans une montagne près de Jakarta, le soir, il peut faire un peu frais. Voilà, bon, vous pouvez mettre un blouson un peu léger, mais vous n'aurez jamais froid. Alors, et la meilleure saison, parce que moi, je prêche pour ma chapelle, hein. Je ne connais pas encore l'Indonésie, mais vous m'aidez à connaître mieux. Donc, une question quand même, moi qui n'aime pas les trop grosses chaleurs, c'est quoi la saison, elle est la plus tempérée, la meilleure saison pour partir en Indonésie? C'est-à-dire pour éviter la pluie sans avoir forcément 45 degrés à l'ombre. En termes de température, par exemple, si vous partez à Bali, la bonne saison, c'est août ou septembre. Ah oui, paradoxalement. Paradoxalement, parce que c'est l'hiver en Australie et que ça va apporter un vent frais. Un petit peu, c'est délicieux. Alors, l'Indonésie, c'est trois fuseaux horaires. 5 000 kilomètres d'est en ouest. D'est en ouest, oui. Donc, 1 900 000 kilomètres carrés de surface. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Et donc, du coup, des climats qui peuvent changer, mais des environnements aussi qui peuvent changer. Donc, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus volcaniques, un peu plus arides? Est-ce qu'il y a des endroits où, si on aime la végétation luxuriante, il faut absolument aller, parce que c'est très vert, on le voit sur les images qui passent là derrière nous. L'Indonésie, c'est vraiment luxuriant. Oui. Parce que c'est pas, enfin, je sais pas, moi j'ai envie d'appeler ça un petit paradis, quoi. Si je devais dessiner le paradis, bon, je ne sais pas dessiner, mais si je devais dessiner le paradis, il ressemblerait un petit peu à ça, très vert, très beau, très… C'est vrai. Et puis regardez, on a des varans, à l'écran, les varans de Komodo. Ah, les dragons de Komodo, voilà. Oui, c'est ça, d'accord. Qui n'ont pas l'air si méchants que ça, finalement. Oh, détrompez-vous, ça va très vite. Ça a une allure très laconique, mais ça peut aller très vite se réveiller. Alors, je parlais des Indonésiens qui pouvaient paraître parfois un peu laconiques. C'est pareil, ils peuvent se réveiller, les Indonésiens. Ah oui, nous avons un art martial qui s'appelle le pencak silat. Ah oui, absolument, oui, qui est très pratiqué par les gens qui font du MMA, du Mixed Martial Arts, le pencak silat, parce que très complet, oui. Ah oui, ouais. En fait, c'est inspiré de la nature, c'est un art martial inspiré des mouvements des animaux. D'ailleurs, alors justement, votre association de la diaspora indonésienne en France, est-ce qu'elle propose des activités culturelles
à Paris pour les Français Tout à ou fait. sportifs type Pencaksilat ou des cours d'indonésien ou Oui. voilà, est-ce qu'on peut faire une immersion sans partir? Si Oui. on décide pas de partir tout de suite en Indonésie, est-ce qu'on peut adhérer à votre association et puis s'initier un peu? On peut tout à fait, depuis Paris, prendre des cours d'indonésien, prendre des cours de danse balinaise, prendre des cours de gamelan, qui sont les xylophones, vous savez. Oui, qui Voilà. sonnent très, oui, Et très colorés, un son très coloré, oui. on peut prendre des cours, quoi d'autre, de Pencaksilat. Il y a un club à Aussi. l'ambassade qui est un club qui exerce, qui a un style très pur aussi. Donc tout cela, vous pourrez avoir les renseignements soit à l'ambassade d'Indonésie, soit auprès de notre association. Ça aussi, c'est possible. Et alors, un des plus grands champions internationaux de Pencaksilat, c'est un Français, je crois. Hein. Il y a eu Franck Roeppers, hein, c'est ça? Qui enseigne maintenant? Franck Roeppers, oui, Oui. enseigne le Pencaksilat, Soit il tout n'a à peut-être plus fait. l'âge de faire les compétitions, mais en tous les cas, j'ai vu ça en préparant l'émission. Oui, Il il y a eu a. un champion du monde de Pencaksilat, ça c'était dans les années 80, et c'était un Français aussi. D'accord. Et son Ah. nom était Franck Picot. Franck Picot, d'accord. Voilà. Et qui est. Bah, alors, j'imagine que tous les gens qui ont des rapports avec la culture indonésienne, vous devez les retrouver souvent, soit dans vos actions associatives, soit dans votre restaurant. Alors, pour continuer à parler un petit peu de l'association, quelle est la proportion entre les Indonésiens de la diaspora ou les Français d'origine indonésienne et les non-indonésiens? Parce que vous nous disiez que il n'était pas, on devait pas obligatoirement être indonésien pour Oui, adhérer et pour participer aux activités. on dirait que c'est une proportion qui est de 80-20, 80 Ouais. pour les Donc Indonésiens 20% d'origine. de Oui, non-indonésiens, oui, d'Européens quand oui. même, ouais. Et alors, qu'est-ce qui les attire, les gens? Alors, est-ce que c'est des conjoints? Est-ce que c'est des mariages mixtes? Et du coup, il y a Oui, les. mais pas Ouais. seulement, pas seulement. Vraiment un intérêt. Pour l'Indonésie, vous savez, par exemple, au restaurant, moi, sincèrement, je rencontre des gens qui me disent, moi, je pars tous les ans en Indonésie. Ils me disent, tous les ans, depuis 10 ans, je pars en Indonésie, je visite une, deux îles différentes. Et c'est une fascination. Et donc, participer aux actions de votre association, c'est peut-être une façon de prolonger un peu le voyage et le dépaysement. Mais au restaurant, ce qui est sûr, ça. Quand on rentre de Bali, survient quelque chose que moi j'appelle le Bali Le blues. Bali Blues, oui, Le Bali d'accord. Ouais. blues. Il y a C'est comme bien une trouvé espèce comme formule. de mélancolie, de nostalgie, Oui, vraiment. parce que c'est incroyable, ce que vous nous dites, c'est incroyable. C'est-à-dire que les Européens qui viennent, enfin les Parisiens qui viennent manger au Jakarta Bali, en général, c'est suite à un voyage. Alors que peut-être qu'ils habitent à Paris depuis 15 ans, Oui. le restaurant est là depuis au moins aussi longtemps, et jamais ils n'y ont mis un pied. Donc Il y a le contraire c'est. aussi, Manuel. Il y a Ouais. le fait, tiens, il rentre, qu'est-ce que c'est? Et comme chez nous, la culture est si bien exprimée, on ne Oui, ça vient arrive pas qu'on que vous pour demande après manger, des bons quoi. plans, du coup Voilà. j'ai envie de partir en Ah Indonésie, qu'est-ce oui, que vous me d'ailleurs, nous conseillez? avons des guides d'Indonésie à disposition, des ouvrages qui sur le batik, qui sur le jamu, qui est l'herboristerie indonésienne, sur l'architecture. Et puis, c'est un avant-goût de l'Indonésie, on va dire. Est-ce qu'avoir un restaurant comme le vôtre, depuis aussi longtemps et puis aussi bien ancré dans la culture indonésienne, et dans le paysage parisien aussi, hein, puisque depuis 84 quand même. Est-ce que vous n'êtes pas en quelque sorte une seconde ambassade d'Indonésie en France? Avec modestie, mais je pense que vraiment le moyen le plus court pour connaître et accessible de connaître un pays et sa culture, c'est déjà commencer par la gastronomie. Là, vous prêchez un converti, ça vous le savez. Mais effectivement, oui, c'est vrai que ça permet de connaître un petit peu la diversité d'un pays. Et puis, on trouve, c'est vrai, souvent des gens de la diaspora de ce pays qui travaillent dans ces restaurants. Donc, ça permet aussi de se frotter à leur culture. Et quand on est indonésien et qu'on vit depuis aussi longtemps que vous en France, quel équilibre on trouve entre son Indonésie et sa France, parce que je pense que vous êtes peut-être aussi indonésienne que parisienne, pour vous connaître un petit peu. Oui, mais c'est magnifique justement, la différence et la diversité, je pense.
Je vais encore à nouveau employer ce mot, ce blend qui est cette mixité. C'est plus joli, blend, je trouve. C'est oui, plus doux. Non, absolument. Oui, non, mais c'est joli. Ben, voilà, à l'image des Indonésiens, c'est doux. Oui. D'accord. Donc, cette mixité, bien sûr, qui suscite tellement de richesses. Et je pense que la compréhension et la paix vient de ça aussi, d'une richesse bien ingérée. D'accord. Bien accepté. Bien assimilé. Assimilé. Oui. Alors, bah, puisque vous n'avez pas contesté quand je dis que vous étiez comme une deuxième ambassade de l'Indonésie ou comme un office du tourisme BIS, aussi bien avec le restaurant qu'avec votre association, du coup, j'ai envie de vous demander, bon, si moi, demain, j'ai envie de partir en Indonésie, quelles sont vraiment soit les villes, soit les endroits qu'il ne faut absolument pas louper sur une première visite, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Alors, bien sûr, moi je parlerai de Java, de Yogyakarta. Ça, c'est au niveau culturel. C'est un centre vraiment. Les musées, les monuments, là, oui. Plus pour des visites culturelles. Tout à fait. Oui. Alors, vous avez à Java aussi des volcans. Donc, pour ceux qui aiment les ascensions, aller sur un volcan et faire le lever du soleil, je pense que c'est quelque chose, des souvenirs, se créer des souvenirs mémorables. Ensuite, bien sûr, si vous aimez la plongée, vous avez Manado. C'est les célèbres, le nord des célèbres. Vous avez également la Papouasie comme centre comme lieu pour une plongée magnifique, avec des fonds très purs. Bali, évidemment. Enfin, je dis évidemment, on peut faire de la plage en Papouasie. Oui, il n'y a pas qu'à Bali qu'on a. Il n'y a pas qu'à Bali. Mais Bali, on a à la fois la plage et la proximité aussi d'une nature absolument luxuriante. C'est peut-être aussi ça qui fait le succès de Bali, non? La nature luxuriante, vous l'aurez partout. Eh oui, d'accord. Vous l'aurez partout. Maintenant, vous avez le lac Toba à Sumatra, qui est une grande caldeira, en fait. Donc, le lac Toba, ça aussi, c'est une des destinations qu'on veut développer parce qu'en fait, la volonté de l'Indonésie est que tout le monde n'aille pas à Bali. D'accord. C'est donc de créer. On précise juste la caldeira pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce terme, c'est les lacs volcaniques, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est donc un volcan, l'intérieur du volcan, qui est devenu un lac finalement. D'accord. Très grand. Donc, il est éteint. Oui. Donc, on peut aller sur une caldeira, ce n'est pas dangereux. Très bien. Alors, comment vous avez vu évoluer, vous, le pays? Parce que même si vous êtes en France, vous y retournez régulièrement. Mm-hmm. Comment vous l'avez vu évoluer depuis toutes ces années, en bien ou pas, hein? Je ne sais pas, c'est une question qui est totalement, ouverte. Quelles sont pour vous ces 10, 20, 30 dernières années, les changements majeurs que l'Indonésie a connus? Le changement majeur que l'Indonésie ait connu après son indépendance, en 1945, on va dire que ça a été après l'ouverture de l'Indonésie, c'est-à-dire après plus de trois décennies. Oui, comme tous les pays qui acquièrent leur indépendance, souvent la première réaction est un peu épidermique, c'est de se refermer sur lui-même, de peur d'être de nouveau ingurgité. Et alors du coup, ça a beaucoup évolué depuis. C'est un petit peu différent dans le sens où nous avons eu un premier président donc à l'indépendance de l'Indonésie et un autre qui est resté fort longtemps, plus de trois décennies en fait. Oui. Voilà. Donc, je disais, l'événement majeur, c'était après lui, c'était quand même l'ouverture de l'Indonésie, ce qui est important, hein, l'avènement de la démocratie, c'est quand même quelque chose de. Oui, ben, non, mais c'est énorme, bien sûr. De nécessaire, oui, tout à fait. Quelque part, même tout si c'est fait. Difficile avec plus de 260 millions d'habitants. Mais voilà, donc. Oui, c'est une question d'ailleurs que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a un patriotisme pan-indonésien? Parce que, quand même, 1000 ethnies différentes, avec 600, 700 langues différentes. Est-ce qu'il y a un sentiment patriotique et unitaire au niveau national? Ou est-ce que quand même, parce que déjà en France, on le voit, bon, le patriotisme français, ça existe, on sait ce que c'est. Il est même parfois un peu extrême d'ailleurs. Mais il y a quand même des spécificités régionales, avec quand même beaucoup moins de régions qu'en Indonésie, beaucoup moins d'ethnies. Comment ça se passe, ce grand mix-là?
Ben, on est arrivé à tenir ça. Déjà, il y a un précepte. Notre motto, c'est l'unité dans la diversité. Donc ça, on le sait, qu'on est beaucoup et qu'on est différents. D'accord. Donc la tolérance en Indonésie, on va dire que c'est une tradition. La stabilité Alors, politique. En parlant de tolérance, justement, puisqu'on parle de tourisme, on essaye de donner envie aux gens d'aller découvrir l'Indonésie. En parlant de tolérance, justement, c'est vrai qu'il y a des touristes parfois qui ne se comportent pas bien à l'étranger. Quel est le degré de tolérance, justement, des Indonésiens par rapport aux touristes un peu excessifs, hein? Parce que, comme je l'ai dit, bon, les Indonésiens me paraissent effectivement calmes, mais peut-être qu'il ne faut pas trop les embêter non plus. Non, le Non, degré ça va, ça se passe bien, ça ils savent va, s'adapter. tout à fait. C'est vrai que c'est propre à pas mal de pays d'Asie, en fait, quand il y a des gens un petit peu virulents, en fait, on les sourit, voire même on rit, et du coup, ça s'arrête là, hein. Ça, c'est très javanais, Emmanuel, C'est comme vrai, réponse, je oui. dois être un peu javanais alors, je dois être un peu javanais. Mais en tous les cas, moi je trouve que l'unité dans la diversité, c'est une belle formule. Ce sera un très beau mot de la fin, même si on avait encore plein de choses à dire sur l'Indonésie. Alors avant de